Stevie, je crois que vous avez regardé M6 hier soir et enquête exclusive sur la Californie. Sur l'Australie. Sur l'Australie. L'Australie. Australie, île magnifique, à la fois luxuriante par sa végétation et complètement lunaire par ses déserts. C'est une île absolument incroyable. Plus grande île du monde, je vous rappelle. Enfin, moi, je suis un passionné de l'Australie. Et là-bas, eh bien, comme il y a beaucoup de côtes, eh bien, il y a beaucoup de sauveteurs. Mais là-bas, on les entraîne très très jeunes. Dès qu'ils ont 5-6 ans, allez hop, sauveteur, au boulot. Sauveteur, oui, ah oui, oui, oui. 180 abdos, soit 50 à 60 pompes à 6-7 ans. Ouais, je crois qu'ils ont 6-7 ans. Non, non, ils sont. Vous savez faire des ponts, vous? Hein? Vous savez faire des ponts? Ah oui, ah, tu veux que je t'en fasse, ouais, là? Ah oui. Allez. Et de vraies pompes. Allez, ça, une, ah, deux, c'est sûr. Trois. Oh, bah, je t'en fais tant que tu veux. Allez, ouais. 30. Ah ouais, c'est pas mal, dites donc. Ça marche, pas mal, on va regarder l'extrait pendant ce temps-là. On le laisse continuer, regardez. 10h du matin sur la plage de Santa Cruz, dans le nord de la Californie. L'ambiance est quasi militaire. Les jeunes recrues ont entre 5 et 10 ans. Ce sont les junior lifeguards, les apprentis maîtres nageurs. C'est Matt, un jeune champion de surf qui les entraîne. On a fait 180 abdos et on va faire 50 ou 60 pompes. Avec ça, c'est facile d'être en forme au bout de 4 semaines d'exercice. Vous, dès qu'il y a le sujet, vous vous arrêtez de faire des pompes. Hein. Vous êtes arrêté, dégonflé. Ah non, bah attends, je peux t'en faire les 30. C'est facilement 30, mais pas au-delà. Mais pas mal. Vous maîtrisez très bien l'exercice, apparemment. Enfin, il souffre. Oui, non, il souffre. Bien Stevie pompe bien, c'est, ce sera le scoop de cette émission. Bravo. Bravo. Je suis un fantasme ou quoi? Franchement? Non. 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 France 2 révèle le jury de Sing Off 100% vocal, Rodolphe. Je dois être le seul à pas cautionner ce genre de blague. Vous aimez, moi je n'aime pas. Mais j'ai rien dit. Bah si, si, si. Non, non, c'était très sage. C'était sage, d'accord. Oui, bien sûr. Okay. Alors Sing Off, est-ce que vous connaissez ce chat? Non, mais c'est un peu le prude dans ce plateau. On peut c'est le vrai. C'est pas le seul, enfin. Non, je suis le seul. Sing Off, vous savez, c'est ce concept américain. Alors là, je suis dans la mer. C'est ce concept américain. Vous savez, c'est un télécrochet. Alors France 2 va adapter tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Alexandre Devoise. Ça, on le savait. Mais est-ce que vous saviez qui allait être le jury de cette émission? Mais non, vous allez nous le dire. Je pense que beaucoup me posaient des questions juste avant l'émission. Ben, je vais vous donner la réponse dès à présent. Alors, il y a Tina Arena qui sera dedans. Il y a également Michel Jonas, le rappeur Soprano, et un certain Marco Beacco. Est-ce que vous savez celui-là? Pas du tout. C'est qui celui-là? Eh bien, il était dans la Star Academy, exactement. Et ben voilà. Ah, c'était Marco. Le fameux. Ah, le fameux Marco. Oui, comment va-t-il? Beacco. C'est ça. Il vous embrasse, il pompe bien, je ne sais pas. Enfin. Oh non, je ne cautionne pas ça. Tout de suite, le zapping. Ça suffit, on a le temps, vos allusions grivoises. Deuxième partie du zapping avec Jérôme Beck. C'est parti. Et lui?